Bonjour à tous et à toutes, le service et bienvenue pour la suite, enfin, je serais tenté de dire, de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation 1er, parce qu'il y en a un second qui est en jap, évidemment. Nous avions terminé et eu la révélation de la fin de l'épisode 3. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu des révélations de ouf que dans. En fait, on pensait que c'était quelqu'un, mais c'était pas lui, c'était une autre. C'était fou. Et je vous invite à aller le regarder, ou bien y jouer, si cela vous tente. Donc maintenant, nous allons passer à l'épisode 4, qui nous avait été amené avec une transition incroyable de Kate, qui nous a dit que nous la connaissions bien avant notre rencontre dans le parc Gatewater. Nous allons savoir cette histoire tout de suite dans un nouvel épisode, Volte-face et Réminiscence. Ils aiment beaucoup réutiliser cette animation du marteau. Alors, nous sommes donc le 10 septembre de je ne sais pas quelle année, sont dans le passé, dans un endroit, et le deuxième étage, nous sommes donc dans le tribunal légal. Voilà, c'était l'intervention. Oh, regardez ce voyageur moniteur comme il était beau. C'est moi ou... Alors... Je sais pas si c'est moi ou si j'ai une grande imagination, mais on dirait un espèce de petit lapin robotique sur sa veste, vu comment ça a agencé. D'accord. Et donc, ce serait lui. Donc, c'est ça, il devra remplacer Monsieur Faraday. Ah oui, donc c'est la salle d'échauffement. C'est ça? Oh, c'est notre cher. Calme. Oh, regardez, voici Karma. 7 ans plus. 7 ans dans le passé. Il fait très compte Dracula. Voilà. Ah, et c'est donc dans son style vestimentaire que Monsieur Hunter a adopté les mêmes armories. Si c'était dans un style un peu plus décontracté. Et on voit bien qu'il est jeune là. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit rasé. Mais là, il fait jeune. Il fait bien jeune. C'est étrange. Peut-être parce qu'il n'avait pas encore les cheveux blancs. Ah oui!
Ouais, non, il fait jeune. C'est les cheveux blancs qui lui font, qui lui donnent de l'âge. C'était Karma. Et donc, c'est ses pensées d'il y a 7 ans. Salle d'attente, ok. Alors. T'as un mec, tu stresses? Madame. Quoi? C'était Godot. Oh oui. Godot. Je vous invite donc à aller regarder le troisième épisode. Le troisième volet plutôt, c'est mieux. Des Ace Attorney Phoenix Wright. J'aime bien ce genre de petite de petit clin d'œil. Bon, on peut y aller. Ah. D'accord. Alors parlons avec ce Manfred Monkarma, voilà. Faut discuter? Oh oui, tu es sûr? Une carte de surveillance. Ah bah, il a une bonne tête de coupable, je sais pas. Ah, parce que tu l'as déjà battu. Oh, des inepties, pas comme des idioties comme ta fille, évidemment. Ceux qu'on ne peut amener devant la loi. Waouh, c'est... Non, t'as eu 3 petits points. Tu y as réfléchi. Oh. Bof. Ah bah écoute, hein. Peut-être que nous saurons maintenant pourquoi Benjamin Hunter a les cheveux blancs dans cette affaire. Une heure, ouais. Yeah, sauf que tu l'as adopté. Donc, Von Karma, pas vraiment le style de vie qu'il a adopté. Alors, vas-y. Alors vas-y, fais-nous un topo Benjamin Hunter du passé. De quoi depuis? Quoi? Ça existe vraiment? Monsieur Cad... J'adore la traduction française. Et pourquoi pas Cad Averick? Monsieur Tanguy Souroche. Oh là 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 là. Mais regardez, il y a moins de détails sur lui. Mais c'est pas vrai. Ouais. Car sa possession de l'arme du crime, un pistolet. Waouh. Alors, le maître Paulet est parvenu à se produire dans l'ambassadeur. Attention. Oui, ok. Je ne sais pas, écoute. Ah bah ouais. Au moins tu vas dire ah ah, j'étais à Garazou pendant à peu près 3 minutes. Alors. Ok, non. D'accord. Waouh.
Étrange, étrange que tout cela. Bon, pour l'instant, ça a l'air de se tenir. Une chose, comment? Oui. Ah, l'affaire KG-8. J'adore les affaires avec des lettres, des chiffres et des tirets. Alors, il nous faut d'abord t'apprendre ce qu'est l'affaire originelle. Waouh! Tes documents! Waouh! J'ai le résumé de l'affaire! Mais alors à quoi ça va me servir? Ah bah oui! Vachalet, évidemment, c'est relié Vachalet. Parce qu'on sort de l'épisode. Ça se joue dans un ordre inverse. Dans le déchronologique. Alors, secrétaire de Richard Vachalet. Ophéria. Pff, non, là ça a l'air d'être un vrai nom inventé. Ah, c'est dommage et compliqué maintenant pour toute cette affaire. Ça, c'était un truc qui vient de tomber. Waouh, qu'est-ce que c'est? Jean Questo, oh là là là, arrêtez! Arrêtez avec ça! Arrêtez avec les jeux de mots, s'il vous plaît! Que de l'exposition, mais c'est prenant! Ah oui! Ah là là, c'est dommage! Oh! C'est pas bien ce que tu dis sur ton mentor et ton père adoptif. Ah, c'est inattendu. Ah, effectivement, là, c'est très très étrange. La caméra? Oh. Mais dis donc, Manfred, c'est quoi le Yatekarazu? Des preuves? Mais quel était cet objet? Ça veut un peu rien dire. Ça alors. Bonjour, tu es qui? Sandek. Waouh, des centimes. Merci la traduction française. Alors, 50, 25 et même 1 centime, mais ça fait exactement 1 euro. Waouh! Waouh! Regardez la France!
Big up à la France. Non, merci la traduction. Il avait un cœur à cette époque. Ce serait un traumatisme. Allons. Et calmez-vous. Ah, il y a eu un claque. Ça y est, c'est mon tour. Je peux aller m'amuser dans le tribunal maintenant. Super. Ouais, on en parle de ton orgueil. Oh, s'il te plaît. Entre, Hunter fait une entrée fabuleuse. Alors, un peu plus tard, un peu plus loin, dans le tribunal fédéral. Waouh, on est les premiers? Vraiment? Alors, est-ce qu'ils vont faire la même erreur? C'est-à-dire que là, on est à gauche, mais quand on sera de profil, on va être à droite. Ah, le juge. Bon, le juge, il a toujours la même tête, je pense. De loin, il a la même tête. Oui, c'est moi. Ça va? Ici, la forme? Oh, comment il est encore mieux! Pourquoi? Ah bon? Étrange. Oui, ce serait bien, mais qu'est-ce que c'est que cette incapacité? Qu'est-ce passe-t-il? Salut! Qu'est-ce passe-t-il? Oh, calme-toi, ça a pas commencé. Mais calme-toi. Un problème, oui. Oui. Allez, 3 points de suspense. Ah! Cela pose problème, en effet. Ah, petit contretemps, de rien du tout, mais. Ça pose problème! Oh, snack! À moi! Waouh! Oh. Nani? Oh là là, toi tu es. Tu es. De. Un peu cliché? Faut pas te prendre au sérieux, Hunter, t'es beaucoup trop jeune. Ah, toi tu es. L'avocat de la défense, c'est bon, pas procureur. Oui. Je ne sais pas comment je t'appelle, mais oui, ça va être cool. J'en sais rien, mais je vais te le dire parce que c'est le scénario. Toi, est-ce que toi ici? Ah, avant il avait une cravate marron. Maintenant il est troqué contre une cravate rouge. Tu es. Non, sérieusement, tu te fous de ma gueule. Et ouais. C'est cool la vie. Ah, c'est ton rêve, c'est ton droit d'y croire. Non, c'est bon, calme-toi. Donc ça, en fait, je me rends compte maintenant que ça doit être le thème de Detective. Alors, vas-y. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe.
d'inspecteur Bad. Waouh. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de savoir quel est son prénom. C'est un chien de garde, on va dire. Coup de feu. Un pétard, ouais. Enfin, c'est le pétard qu'il est, que j'ai déjà entendu. Ok. Tu mens. Tu mens beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Bon, cassons. On va prendre un snack. Ah. Ouais. Spécialité du tribunal. C'est clairement marqué dessus en plus. Et là, c'est pour de la boisson. Ah. Non, car je dois parler à des gens tels que elle. Mais moi non plus, je te connais pas. Ouais, moi aussi j'ai remarqué qu'il faisait exactement, au mouvement près, les mêmes mimiques que Karma. Donc il a le droit de se foutre de ta gueule. Ah, c'est vrai qu'il a dit deux fois la même chose. C'est un peu bête. Ah, on est d'accord que l'accoutrement, ça va une bonne karma. Non. Te fous pas de moi. Quel hystéria. Je sais pas si le jeu de mots, je ne l'ai pas non plus. Phoenix Wright et Benjamin Hunter, Manfred von Karma, ça doit être les seuls noms à peu près réglo qu'il y a, ainsi que Maya et Mia Fey. J'aime beaucoup son thème à Aeria. C'est très... Allez! Allez, tout le monde danse! On se met bien! Bon, par contre, le sérieux de cette femme est incroyable. Oui, je sais, on l'a, enfin, je l'ai vu. Enfin, pas moi, pas Hunter, mais moi je l'ai vu. Enfin bref, le quatrième mur, tu connais? Bon, on s'est bien marré. Et maintenant, Monsieur Bad, avec deux D. C'est le Joe Bad, le légat de criminel. Je le vois très bien italien, cet homme. Faraday m'avait demandé de témoigner pendant le procès. C'est aussi simple que ça. Bon, par contre, la musique ne lui va pas du tout, je trouve. J'ai déjà alerté le commissariat à propos de la situation. C'est tout. J'ai rien à te dire, gamin. Voilà, j'ai un...
J'ai une vieille imitation dégueulasse d'italien un peu mafieux. Parce que c'est ton rêve. Il faut que je t'apprenne un ou deux trucs sur la façon dont on cause aux adultes, hein, gamin? Attention! Attention! Un miroir. Parce qu'il est... Mais il fait très vieux film de gangster polar noir. C'est pas mal. Ouais, il fait très vieux flic. Vieux. Presque à la quarantaine sans doute. Couteau couvert de sang dans la paume. Dans la pogne. J'ai lu dans la pogne. Détective, oui, second. Oui, lui. Qui a l'air un peu perdu. Ouais, et bien sûr, ils ont fait un double KO. Oui, sans doute. Mais alors, le témoin, est-ce qu'il est mort? La LMDR. Ah bah oui. Bah oui, sinon le scénario n'aurait plus aucun sens. Ce serait bête. Oh, on est passé de gamin à fiston, c'est pas mal. Et maintenant, du scénario. Ce fameux Jean Questoux que l'on a vu dans cette coupure de journal il y a plusieurs années. Mais c'est incroyable! Mais que fait-il ici? Non mais si t'as, en fait t'as pas lu les coupeurs de journal, Lander, c'est... Ou alors t'as oublié très très vite. Waouh, merci. Jean Question, n'est-ce pas? Est-ce que l'on est dans le... Ah mon dieu, c'est Jean Question. Ah mon dieu. C'est une romance, sans doute. Waouh, tu viens de popper dans le couloir, c'était... moche. Oh, c'est Sergio Bad. Bah là, c'est pas mal, tu vois. Par contre, ça confirme le fait que c'est un truc vraiment italien, un peu mafieux. Sergio Bad. Oh oui. Ah, quel dommage. Oh, comment ça parle mal, ça tonte. Oui, qui parle? Oh, mais ça alors! On était obligé de faire une apparition discrète de cette chère Francisca, hein, avec son thème bien évidemment, que tout le monde déteste, et elle avait déjà un fouet à 10 ans. 14? Je sais pas. Qui est donc cette personne? Oui. Ah bah oui, en Allemagne. Le système scolaire est différent. Alors, nous pouvons apercevoir que Francisca, quand elle était jeune, avait des cheveux plus longs et une vraie tête de personne gentille. Quel dommage que dans le futur, Emma n'ait plus cette tête et ses qualités. Ça va être dur d'oublier.
Oh, c'est pas bien. Oui, quasi, on en parlera dans le futur. T'avais déjà de ces manies quand t'étais gamin? Oui, c'est bien. Ah, mais t'avais. En fait, t'as pas de veste, c'est ça. Tu vas attraper froid quand même. Septembre, l'automne. C'est chaud. Ah oui, mais si vite arrivé. Oh mince, on va faire un duo. Un mot déjà, oh, calmons-nous. Devra, y a pas un S à la fin? Ah, je m'en fous de ce que je dis, je fais attention à ce que tu dis. Ah bah, trop tard, tu viens de te barrer de la porte. Oh mon Dieu, cette confrontation! Waouh! Non, lequel? C'est lequel, pas laquelle. Là, tu te. Là, c'est pas bien ce que tu insinues. Ouh, il se blaire. Non, on appelle ça des règles élémentaires de savoir vivre. Mais pourquoi vous lui donnez un fouet alors qu'elle est mineure? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Eh bah écoute, hein, tant pis. Ta vie est... Dommage. Ouais, alors regardez. Allons nous traumatiser la vie pendant les prochaines années. Entrons dans cette pièce. Alors, oh, il y a encore... Ouais. Alors, il y a des trucs que je comprends pas déjà. C'est ça. C'est clairement ça en fait. Franchement, je suis en train de douter comme pas possible. Oui, arrête de pointer, par contre, c'est pas bien. Ah, oh, mais tu m'énerves. Est-ce qu'on s'en fout? Donc, moi, je m'en fous, très bien. Ok, si tu bah, si ça te fait plaisir, hein, va jouer dans ton coin. Ah bah non, même à cet âge-là, elle avait ce mot à la bouche tout le temps. C'est un gâchis. Alors ça, par contre, ce sont des bruits extérieurs. J'en reviens dans une seconde. Voilà, désolé de cette petite interruption, quelques trucs IRL, la vie IRL, des vidéos de qualité, toujours. Donc, oui, la scène de crime. Oui, j'accepte ton défi, même si bon, j'en ai un peu rien à faire. Oui, commençons. Waouh. Ah, c'est le dur. Ouais, enfin, on en parle de toi. Voilà. Thank you.
Même à cette époque, il s'appelait déjà négligé. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ouais. Petit garçon procureur. Ouais. Et moi, je t'appelle tête de bite. Hein? Oh oh, c'est putain. À cette époque, il se faisait martyriser. C'est triste. Ah, commençons. Merci. Alors. Ah, bonne question, là, tu vois. C'est le miroir. Ouais. Ça se tient très bien. Et le coutal? Oui, on sait. C'est... Merci, je me souviens de l'affaire. C'est un couteau de type... De type scalpel. Ou arme étrange. Oulala. Sans doute. Ça pourrait se tenir. Mais il y a des trucs que je suis pas sûr. Ah bah oui, des preuves. Alors, regardons cette télé. Ah oui, c'est les barreaux. Ah bah... Et cette télévision. Cette télévision 4K 60 FPS. Ouah, la neige. Et un sac. Ce sac doit être fouillé. Oh, une table propre et bien rangée. Bon, on va dire que non. Oui, c'est bien. C'est toujours la même. Ouais, c'est toujours la table. Ouais, c'est toujours la table. Bon, alors. Oh oui, bon, maintenant les corps. Voilà. Tu y es. Waouh.
Waouh! C'est une bonne déduction. Alors, déjà, il avait toujours son écharpe. Alors, le coup de salle. Pour se défendre. Je sais pas. Ah. Ah d'accord. Ouais. En effet. Et c'est déjà la troisième. C'est la troisième partie de cet épisode que j'enregistre. Je me fais beaucoup déranger en ce moment, c'est très désagréable. Vidéo de qualité, mais c'est pas grave, on aime ça. Donc, des sachets en plastique. Un peu partout. On va dire qu'il s'amuse à faire des choses. Oh, d'accord. Ouais. D'accord, donc. Admettons, ne serait-ce une seconde, qu'il y a, enfin, qu'il y ait, ah bah oui, là, il y a des traces de sang. Ouais, bon, d'accord. Ça, on s'en bat les couilles. La tête de Faraday. C'est bien. Et Scrooge, ou Scrooge, je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Mais oh, c'est des... Oh, je ne sais pas quoi dire. Pas quoi dire, mais ils sont l'un sur l'autre et moi ça me perturbe en fait. Ah. Il tient quelque chose. Une tâche donc. Il écrivait quelque chose. Oh là là. En ai-je fini avec toute cette scène? Semblerait-il que oui. Ah bah au moins on se fait respecter. LOL MDR. Ah. Très bien, et pourquoi donc?
Oui. Il va le répéter très 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 souvent. Ah, alors, voyons voir un petit peu ses corps. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais ce serait pas son capuchon de stylo? Mais ça alors? Sérieusement? Non, et là, c'est donc une très belle blessure. Il y a un truc qui colle pas, j'ai l'impression. Parce que je sais pas, il y a un truc qui va pas. Enfin, je sais pas, la position, la main, je sais pas. Sa main droite, oui. On est en train de refaire les cours pour les futurs policiers, avocats, procureurs. Bien. Et donc lui est mort d'une balle, une poitrine. C'est bien que c'était pas un bout portant. Ah oui, donc là on est vraiment en train de refaire toutes les bases des scènes de crime, c'est ça. Intéressant. Merci Pio. Ouais. Oui, et le couteau parmi les autres. Oui, ça se tient. Oui. Ouais. Ça me semble un peu faible. Bah, les mains qui tiennent les armes? Sans doute. Mais maintenant, la logique entre en scène. Tout d'abord, l'évidence. Cette tache d'encre sera due au stylo plume. Mais comment s'est-il fait ça? Sans doute en écrivant. Oui. C'est bien. Mais du coup, tu viens de te contredire sur la main droite. Il y a un truc qui... Non, c'est mal foutu. Et dans ce cas, si ces sachets sont là, pourquoi la table est propre et rangée? C'est sans doute à creuser. Ah, c'est très très étrange. Oui, réfléchissons. Vite, allons le demander à l'équipe scientifique. Oh oui. Et là, des révélations qui choquent. Wow. Ah, ce sachet plastique était très important.
bien. Bien, bien, bien. Ouais, moi, il y a des trucs que je ne comprends toujours pas. Il y a une incohérence quelque part. Je suis désolé. Regarde bien. Parce que nous avons appris que, attention, le carnet sur les données du pistolet est tenu dans la main droite, comme nous le voyons à l'image. Mais si nous en déduisons que c'était pas le couteau, son stylo, il serait gauché. Mais alors du coup, pourquoi utiliser son couteau de la main droite? Enfin, l'arme de la main droite. Là, tu vois, cette contradiction est contradictoire. Ah oui, entre cette pièce et le stylo. Et paf! C'est étrange. Mesdames et messieurs. Waouh! C'était un coup monté. Sans doute la troisième personne aurait utilisé les sachets, les aurait mis sur ses mains et déplacé l'arme de la main de Faraday. Enquête terminée. Qu'est-ce que tu vas faire? Et un peu plus tard. Dans le même endroit, parce que c'était important de le souligner. Ah, rapport d'autopsie. Cool, je suis toujours plus grand que toi. Ok, ça tient. Ah bah, du coup, ça... Ouais, il y a des trucs qui vont... Ouais. Ah oui, dans ce cas, je te défie. Je te défie dans ce duel. Non, parce que je suis pas d'accord. Et c'est parti pour l'interrogatoire, enfin la théorie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur les coups. Ouais. 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 Ah, je sais pas, je doute là, tu vois. Permets-moi de te contredire. Ouais. Oui, sur le coup, ça, je m'en fous. Ouais. Je suis pas bien sûr de ce que tu dis. Ah bah oui, tu m'étonnes. On en voit partout. Ouh, désordre, ouais, vite fait. Hein. Dans ce cas, pourrais-tu le... dire. Ouais, ajoute-le que je la défonce encore plus. Hmm.
Ouais. Et pourtant, selon Dictective, aucun bruit de lutte. Objection. C'est dommage. On s'est trompé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais il faut. Et c'est toute la question. Faraday était là avec son sac. Oui, exactement. Même si, rien doute. C'est impossible et pourtant. Voyons. Voyons un peu. Ouais, c'est impossible parce qu'il serait mort sur le coup. Eh ouais. On nous a menti. Mais dans ce cas, qui a tiré le coup de feu? Oui. C'est ça, sauf que ça tient pas. Parce que dans ce cas, ça ferait faire des morts, ensuite Scrooge. Sauf que c'est dommage que ça ne marche pas. Eh oui, Francisca, regarde, je pointe du doigt comme ton père. Et tu n'es pas contente. Ah, c'est une cravache. C'est pas un fouet, c'est une cravache. J'ai le mot que maintenant. Eh oui. Car l'ordre dans lequel les corps sont tombés, et oui, parce que Faraday devrait être en dessous de Scrooge. Je vais l'appeler Scrooge. Regarde bien. A pris le pistolet et pan. Seulement, Scrooge, blessé, avait une occasion de s'emparer du coutal et de riposter, et paf. Il est mort sur le coup, donc paf, décès. Il tombe, mais Scrooge aussi, donc paf, décès, il tombe. Bon, et donc du coup, comment tu expliques ça? Ah bah si, c'était devant toi. Complètement devant toi. C'était même flagrant. Et tu ne l'as pas vu. Enfin, si tu l'as vu, mais tu t'en as rien fait. Ouais. Oh, mais non, laisse-moi faire une déclaration. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas quoi de sorte? Mais oui. Tu as tort, je vais la prouver. Mais d'abord, je vais dire ce que tu as voulu. Alors. Un hasard. Ouais. Je suis pas bien sûr de ce que tu veux dire.
J'ai un truc qui va pas. Bon, il y a un moment, t'as douté. Ah, je l'ai vu, t'as douté. Ouais, tu peux développer cette phrase? Parce que je suis pas bien sûr. Ouais. C'est une blague en fait. Ouais. Ah bah écoute, complètement. Complètement. J'ai complètement un problème dans ce que tu viens de dire. C'est flagrant. Oh la jeunesse, la jeunesse, c'est dommage. Regardez bien, c'est sans indiquer au même moment et à faible distance. Nous aurions donc dû avoir, normalement, des traces de brûlure. Il n'y en avait pas. Quel dommage, objection. Ah, c'est. Ah, la naïveté de ces jeunes. C'est fou. Ah, c'est bête! Eh oui! Bon, est-ce que tu as fini maintenant de faire ton caprice? Ouais, donc tu. Là, c'est. C'est juste que tu ne veux pas croire. Ce que je dis. La personne qui attaque en premier, c'est évidemment aucun des deux. Eh oui. Une trois. Eh oui. Twist de ouf, t'as vu? Mais qui c'était cette troisième personne, tu vas me dire? C'est donc le mystère mystérieux de aujourd'hui. Et c'est laquelle? Évidemment, des preuves. Évidemment, des preuves. Tiens, des preuves, je t'en fous. Ah, tu vas avoir des preuves. Incroyable. Ah bah complètement. Non, la troisième preuve, évidemment, c'est ce sachet Plestock. Et oui. Est-ce que maintenant tu peux arrêter et aller retourner étudier en Allemagne? Et laisser les grandes personnes s'occuper des vraies affaires avec les gens qui sont vraiment morts au lieu d'utiliser. Enfin, au lieu de faire des théories farfelues? Et surtout, ouais, il n'y a aucun bruit. On apprend encore plus de choses aujourd'hui, c'est le fou. Et oui, c'est fou d'aller faire comme ton père, accuser des innocents. LOL. T'es ton népousse. Qui me parle? Ah, c'est Eria. Est-ce que tu es le scénarium? Oh, le juge!
Il est pas content. Ah bah trop bien. Bah oui, évidemment. Hein, toujours. Comment, Nanny? Vous pensez qu'elle juge? Comment? Non mais vous foutez de ma gueule, il est beaucoup trop con pour faire ça. C'est un beaucoup trop con. Mais vous foutez de moi. Sinon tu vas sortir ton mouvoir. Ton miroir, pas. Je suis pas d'accord. Ah, maintenant on est passé à mon garçon. Non, on prend du grade là, doucement. Ouais, exactement. Ce serait... l'inspecteur détective. Peut-être l'état du couloir, parce que ce serait quelque chose d'incroyable. Mais non. Évidemment son motif pour aller vers, parce que... sans doute une raison. Évidemment. Il y a un mobile. T'as bien un mobile. Ouais, parce que... ce sera un peu con. Voilà, voilà. Objection. Ah bon? Un mobile? Comment? On va être pas copain. On va pas être pote. Et c'est le deuxième duel. Vas-y. C'était... ouais, une semaine. Ouais, donc j'étais pas... Non, c'est... T'es débile? Mais qu'est-ce que c'est que ces raisons? Je comprends pas, même moi... Regarde bien, je suis choqué, je ne comprends rien de ce qui se passe. Bah oui, parce que... ça va se faire rien dire. Tu peux tuer pour de l'argent, mais pas pour une réduction de salaire. Franchement, oui. Ah, je baisserai votre salaire, abrutis, blablabla. Waouh. Non. Non, pas du tout. C'est même débile. Ah bah, oui, sans doute. Devrais-je te mettre une objection, évidemment. Parce que sinon, le scénario n'avance pas. La relation entre Faraday et détective semble la me...
Non, pas du tout en fait. Ah, je sais pas. Bon, alors admettons que ce soit pour ça qu'il tue. Trop bien. Le mobile pour tuer Monsieur Soroche. Tu m'expliques? Enfin, tu... Ouais, et que... Soroche, on en... Peut-être qu'il faut qu'on en parle. Ouais. Eh ben, voilà. Ah, réflexion. Oh, ça y est. Ah bah non, donc voilà, donc très bien, donc Ah attendez, là, l'MDR, je me souviens. Mais ferme-la. Oh là là. Je n'aime pas ce personnage. Ouais, en tuer un, pas deux. Oh, raisonnement, tu veux dire quelque chose? Tu as sans doute une idée de ce qui s'est passé. Ah bah alors toi, Ah mais c'est prévu, là je suis d'accord. Tu m'appelles encore une fois gamin, cette main va partir directement dans ta tête. Alors vas-y. Ouais. Ouais, quoi? C'est navrant. C'est vraiment navrant. Je suis un peu déçu, oui. Je suis même très déçu. Ah bah sans doute, comme par exemple... Ah comment s'appelle cet homme? Ah, il était là avec elle il y a peu. Oui, alors attends... Attends... je suis pas bien sûr... Ouais... Soroche, si... Faraday, si... Ouais... Waouh, ça a duré très longtemps. Une personne. Hein, de Monsieur Desfours. C'est Desfours qui s'appelle. On va dire qu'il s'appelle Desfours. Dufour. Je sais pas, je m'en fous. Mais oui. Mais tu sais bien comment il s'appelle. Oh là là, qu'est-ce tout, voilà. Ça n'avait rien à voir avec le nom que je voulais dire. Ah, j'étais trigger, je l'ai vu. Ah oui, on l'a peut-être oublié, hein, en 2 heures, c'est sûr. Le temps passe vite. Alors? Oh bah dis donc. Ouais, pas encore. Pas encore, en fait. C'est pas fini. Ah mais je le sais bien, t'es trop con pour ça, mais pour le moment, on va attendre. Ah mon dieu! Faut qu'on termine qui était sur Jean Kisto. Vous allez perdre votre temps. Voilà, j'ai encore ce vieil accent des glaces. Ouais, il s'en fout, genre, en fait. Vous me foutez de moi, oh là là. Thank you.
Sans doute. Sauf que c'est pas le cas. Voilà, Francisca, t'as gagné. Voilà, j'ai pas trouvé. Oh là 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 là. Oui, voilà, va informer ton père. Hein. Toi, je vais pas t'aimer. Je suis pas d'accord, je pointe du doigt. Ah bah attends, je viens vers toi d'ailleurs. Parce que le scénario le veut. Mais sur quoi je veux t'interroger? Mais sur cette affaire, évidemment. Mais sur Jean Questou. Non. Je suis sûr que je vais savoir des choses croquantes et croustillantes. Ça fait trois fois. Non, mais je vous assure que j'adore ma vie. Hein, quelque part, ma vie, c'est de la merde. Et ma manette. Putain de manette à la con. Non, mais c'est simple. Tout est en train de se barrer. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur une chaîne de professionnels. Alors. Oh, quel dommage. Non, tu te fous de moi. Hein? Hein? Ah! Allez! Bah oui, et puis comment Jean Questou te connaîtrait alors? C'est fou! Oh, toi, tu m'énerves! Je vais te faire du mal! Lui montrer, ah oui! Alors, je vais te présenter une épreuve, même un. Ah, pas de profil, oh zut. Peut-être que. Ce résumé de l'affaire. Peut-être qu'Oferia était ta sœur. Présentez. Et oui. Non, par l'intermédiaire de la victime, évidemment. C'était votre sœur, hein? Évidemment, hein, tu me l'as fait pas, hein? T'es fou, hein? Oh, c'est peut-être que c'était ta mère? Et elle continue de rire. Parce que d'abord, c'était trop le fun, t'as vu? Oh là, c'était un prank! C'était au moins le deuxième! N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo! Prank, je fais un prank à un procureur, ça tourne mal. Mon dieu, c'est triste. Des révélations choc. C'est tout de suite dans My Sedgeworth Investigation.
Mais dis-moi qui est ce Jean Questou et d'où il te connaît? Lol. Ah. Waouh, comme une tonte. Qu'est-ce à dire que ceci? Évidemment. Ouais, tu m'énerves. Elle en a tellement rien à faire en fait. Quelle tristesse. Fin? Ah non. Non. Le moment du cliffhanger. Ah, quel dommage que dans les prochaines années, il perde ses prochains procès contre un jeune avocat de la défense qui s'appelle Félix Wack, mais ça, on s'en fout. Il y avait beaucoup, beaucoup d'expositions, notamment au début, mais là, ce Benjamin Hunter du passé, et j'arrive pas à le prendre au sérieux. J'arrive pas. Mais ce rebondissement de Faraday, qui était potentiellement l'ancien Yatagarazu, qui serait mort en même temps que Souche. Et on a vu la petite Kay Faraday avec ses petits ballons. Et puis Von Karma. Et puis Francisca Von Karma qui même, quand elle était mineure, avait une cravache toujours dans les mains. Ce qui n'est pas une super bonne idée pour vos enfants. Ne leur donnez pas des armes comme ça, c'est pas bien. Et du coup, Detective est le suspect. Et ça ne m'étonne pas. Mais ça pourrait être pas mal. Non, pour l'instant, ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. Je trouve que c'est bien amené. Même si l'épisode était un peu long pour ce que ça voulait. Pour tout ce que ça veut dire. Voilà. Sur ce, je tiens à m'excuser pour les nombreuses coupures. Je pense qu'il y en aura au moins 4. 1, 2, 3. Non, mais ouais, si au moins 3 plutôt. Parce que je suis extrêmement dérangé en ce moment. Merci cependant d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, en espérant qu'il vous ait plu et que ça vous donne toujours envie de faire ce jeu. Je vous recommande les Phoenix Wright et les séries 7 années en général, c'est vraiment trop trop bien. Je vous invite aussi, si vous voulez ne pas rater la suite et si vous aimez le contenu proposé, à vous abonner à la chaîne, même sur Twitter, n'oubliez pas de laisser un maximum de likes pour la tendance et de commenter si vous voulez dire des trucs, parce que l'espace commentaire est là pour ça, et ce que vous avez pensé de la faire sans spoiler. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth in Alternate Investigation.